l'église Le Portail en ligne. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Mon nom est Denis, je suis le pasteur de notre site à Sainte-Eustache. Notre église, c'est une seule église représentée sur quatre sites, Laval, Terrebonne, Sainte-Eustache et Abitibi. Si tu désires en savoir davantage sur nos heures de réunion et nos différentes adresses, je t'invite simplement à visiter notre site Internet au www.égliseleportail.com ou notre page Facebook. Maintenant, Puisque nous sommes dans la période des fêtes, j'aimerais profiter de cette capsule pour te faire une invitation spéciale pour le 24 décembre prochain. Tu te dis probablement que tu es déjà occupé, donc ça sert à rien que je te le dise. Attends, attends. Que tu es prévu d'être en famille, en couple, seul, en souper avec des amis ou quelque autre chose que tu as prévu, ma proposition s'adresse quand même à toi puisque ça risque de ne pas toucher à ce que tu as prévu en soirée. L'invitation est la suivante, notre traditionnelle soirée à la chandelle. En fait, c'est d'une durée d'une heure ensemble où des chants de Noël, un court message de Noël seront présentés. C'est une belle façon de débuter nos festivités en commençant par Jésus en Église et en les poursuivant avec nos proches par la suite. Prenez note qu'il y aura deux représentations, 14h ou 16h. C'est pourquoi tu peux être là. Donc, on espère. Vous voir parmi nous pour cet événement du 24 décembre. Sans plus tarder, prenons les prochaines minutes simplement pour écouter le message de Noël d'aujourd'hui. Bon matin, Église de Portail. Je me prénomme Warren Beaubrun. Euh, je suis un des pasteurs sur l'équipe pastorale. Je vous salue. Si vous n'êtes pas du Portail, mais que vous êtes des sympathisants, des amis, je vous salue également, où que vous soyez en francophonie ou de ce fait dans le monde. Je veux réitérer à nos amis du portail, à nos membres du portail, si tu n'es pas encore revenu à la maison, qu'attends-tu Qu'attends-tu J'espère que notre premier, notre premier comment dirais-je, rendez-vous, notre première rencontre sera ce samedi 17 décembre à l'une des deux représentations de notre concert de Noël. J'espère, je prie de tout cœur pouvoir te revoir là, cher ami. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi également de vous remercier à vous tous qui avez été fidèles, que ce soit par les dons faits pour le projet d'implantation Montréal Nord, dont je serai euh, le pasteur. Donc, on implante un cinquième site Dieu voulant à Pâques. Et pour tous ceux qui ont prié, pour tous ceux qui ont donné, pour tous ceux qui m'ont téléphoné, à tous ceux, bref, qui sont amis de la cause. Celle que d'avancer le royaume de Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. Merci chaleureusement. Les choses vont de bon train, l'équipe progresse et nous sommes fortifiés. La semaine dernière, on a entamé, débuté une thématique qui s'intitule Enfin Noël avec pasteur Jimmy Pereira et il nous a parlé de Dieu qui parle, Dieu qui parle miraculeusement, Dieu qui parle historiquement, prophétiquement et qui parle aussi maintenant par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce matin, moi, j'aimerais m'entretenir pour ce deuxième message sur le fait que dans cette saison de Noël, finalement, nous y sommes rendus enfin Noël, un Noël un peu post-pandémique, bien qu'il y ait une recrudescence de cas de COVID ou d'influenza ou de grippe ou de je ne sais quoi, mais quand même, nous aurons l'opportunité dans 14 jours, Dieu voulant, de célébrer Noël avec nos bien-aimés sans restriction. Enfin Noël comme on le connaît. Et pour cette saison de Noël, quoi de mieux que de te partager douze phrases déclaratives pour cette saison de Noël. Et c'est le titre de mon message. On regarde à douze trucs que je crois peuvent, doivent s'adresser et résonner dans nos cœurs. Vous êtes prêts Oui. Si vous étiez là, je suis sûr que je vous entendrais. Tournez avec moi, Luc. On va prendre la portion, encore dans le premier chapitre, mais la portion qu'on n'a pas couverte la semaine dernière, soit le 26e jusqu'au 38e verset. Et on regarde 12 trucs. Pendant que vous tournez ou faites pause ou simplement courbez, courbez la tête avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole fraîche et vivifiante. Merci pour ta parole qui édifie, qui sonde l'âme et qui guérit l'âme. Tu es un Dieu bon. Nous nous en remettons à toi. Parle, Esprit de Dieu. Tes enfants écoutent. Amen. Je fais la lecture pour vous et ensuite je commente douze phrases déclaratives pour cette saison de Noël. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit... Je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, aussi a conçu un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Le premier point, après qu'on ait vu que Dieu parlait la semaine dernière, je voulais dire, Dieu n'a pas cessé d'agir. Dieu n'a pas cessé d'agir. Bien que 400 ans ou 500 ans, dépendamment de certains historiens, séparent les deux testaments, les deux alliances, Dieu n'a pas cessé d'agir. Il est fidèle. Le premier verset qu'on a lu, le 26e, dit « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth ». Premièrement, le terme sixième mois fait référence au fait de ce qui s'était passé à la grossesse d'Élisabeth. Six mois plus tard, Dieu est encore à l'œuvre. Bien qu'on ait entendu un silence ou bien que le peuple se posait des questions, on voit ici la main agissante de Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu s'insérait subitement dans l'histoire comme un acteur. Non. Il est le maître en scène, le metteur en scène, il est le réalisateur, l'auteur, le producteur. De cette trame dans une ville de Galilée. Certains disent pourquoi avoir mis le mot ville en grec alors qu'on aurait pu mettre village, qui rappelle cette idée que c'était une très 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 petit, un petit endroit dans le nord, hein, un petit endroit qu'on pourrait appeler saint clins clins des meuc muc pour mes amis québécois, un endroit reculé. On parle de peut-être les fouilles archéologiques, anthropologiques. Nous disent peut-être 550 habitants étaient là. Je, Nathaniel dira dans Jean, rappelez-vous, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Fait intéressant, sans vouloir trop extrapoler le texte, fait intéressant, le nom Gabriel signifie Dieu est ma force. Fait intéressant, et je commenterai dans un instant, Galilée, lorsqu'on regarde à des textes comme Amos ou encore à des textes comme Ésaïe, nous constatons que Galilée était souvent référée comme Galilée des nations. Un, un territoire reculé, un territoire loin où il y avait déjà eu quatre tribus mais avec les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, il y a eu un, un exil, c'était des, des païens, C'est comme si Luc avait comme intention de nous faire comprendre que dans cette ville qui était réservée à l'opprobre aux nations, Dieu va s'y incarner. Nazareth signifie préservation lieu préservé dieu a choisi une condition humaine pour venir et le point quand je dis que dieu n'a pas cessé d'agir ce que nous devons comprendre c'est que à l'intérieur du silence dieu parle il est fidèle il avait préservé le lieu dans un petit lieu reculé où rien de bon ne peut s'y trouver dieu est force et à toi ce matin qui écoutes ce message dans cette saison des fêtes je veux te rappeler que Dieu n'a pas cessé d'agir, que les ouvrages bons qu'il a préparés d'avance pour ta vie, il est digne et fidèle pour les accomplir. Dieu est en mouvement. Après être parti de Judée pour annoncer à Zacharie et son épouse Élisabeth, il s'en va vers la Galilée. Dieu est en mouvement. Dieu n'a pas fini avec ta vie. Persévère en Jésus. Il est en mouvement dans ta vie. Le deuxième point, la promesse est parfaite. La promesse est parfaite lorsqu'on regarde au 27e verset, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, le nom de la vierge était Marie. Pour que tu saisisses que la promesse est parfaite, tu as besoin de quoi Lire ta Bible. Tu as besoin d'ouvrir ce livre. Cette semaine, dans ma dévotion personnelle, je suis dans les psaumes. Puis c'est incroyable comment à chaque jour Dieu a une parole pour ma vie. La promesse est parfaite. Si tu comprends ce que je veux dire pour ceux qui sont peut-être euh, euh, familiers avec la parole, vous vous rappelez sans doute... La notion de la maison de David 2 Samuel 7 nous parle que Dieu établira un descendant de David de la maison de Judas à perpétuité. Et il est intéressant de voir chez une vierge fiancée un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. La promesse s'accomplit. Elle est parfaite comme ce chant que nous chantons. Tes promesses sont parfaites. Ou encore, pour ceux qui se souviennent bien du livre prophétique d'Ésaïe, lorsqu'il est écrit que la jeune fille tombera enceinte, et elle lui donnera le nom, et je paraphrase, d'Immanuel. Dieu avec nous. L'année prochaine, on a décidé de commencer un, un, un plan biblique. Nous voulons lire la Bible ensemble en un an. On veut vous encourager. Il y a plus de détails qui seront donnés au fil des semaines, mais simplement pour essayer de stimuler l'amour de la lecture de la Bible. C'est une chose qu'on veut faire parce que nous réalisons lorsque nous lisons que tout ce dont nous avons besoin pour notre âme en cette saison de Noël se retrouve dans la parole. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai vécu une situation assez dramatique avec ma fille. Puis, euh c'était tellement dur. Puis mon réflexe, ça a été d'entrer dans, dans, dans une posture d'adoration, de juste chanter des cantiques qui sont précieux. Puis un des cantiques que j'ai chanté, qui est en créole, rappelle comment... Lorsque Dieu parle, la chose arrive. Comment lorsque nous fixons nos regards sur Dieu, nous ne sommes pas abandonnés. Et vous auriez dû voir le niveau de paix que ce rappel m'a donné. La promesse est parfaite. En cette saison de Noël, réalise que ce que Dieu dit, Arrive. Réalise que le plus beau cadeau, ça peut paraître cliché, mais le plus beau cadeau, c'est Jésus. Réalise le sens. Moi, je suis quelqu'un qui est un amoureux des mots, de la linguistique. Le sens du mot Noël. Noël qui provient du latin natalis. Qui a pour but de dire relatif à la naissance. Célébrer Noël au-delà de la dinde, au-delà du festin, au-delà du, du vin ou d'autres choses que vous puissiez consommer, au-delà des cadeaux et des photos de famille, au-delà des chandailets ou des pyjamas. Noël, c'est le rappel que la raison de la saison, c'est Jésus qui nous avait été promis. La promesse est Accompli, de ce fait, il dira à la croix des années plus tard que tout est accompli. Noël, c'est un rappel que nous étions perdus, qu'il est venu, qu'il a fait sa demeure parmi nous. Noël, c'est un rappel de la pureté de Jésus. L'ange va rentrer, va entrer dans le domicile. Et une fois qu'il entre dans le domicile de Marie et Joseph, qui sont fiancés, il dira, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et ma troisième phrase déclarative, c'est le Seigneur est avec toi. Un peu plus haut, je vous disais un peu plus tôt, je vous parlais de Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, j'aimerais vous amener encore plus loin, dans l'Ézéchiel, le livre prophétique d'Ézéchiel, au chapitre 48, lorsqu'on nous parle de la nouvelle cité, lorsqu'on nous parle de ce que Dieu fait, de ce qu'il crée, et il finit le texte en disant « Yahweh Shammah » en hébreu, qui signifie « Dieu est là ». En cette saison de Noël, je veux te rappeler que le Seigneur est avec toi. Si tu as mis ta foi et ta confiance en Jésus-Christ, il est avec toi. Peut-être que tu te sens comme ses disciples lorsqu'ils étaient sur un naufrage ou plutôt dans un bateau et qu'ils pensaient faire naufrage dû à la tempête, au vent, aux troubles et aux torrents. Et ils disaient, mais que fait-il notre maître, notre rabbi, à dormir? Peut-être que tu te sens comme Job, dont nous venons de terminer la thématique, où tu sens que dans ton dans ta souffrance, Dieu ne répond pas, mais j'aimerais te dire, ne te fie pas à ce que tu ne vois pas. Rappelle-toi que Dieu est là, qu'il n'est pas menteur, qu'il n'est pas homme pour être menteur. Dieu est là avec toi. Peut-être que c'est dans ton mariage que tu as besoin d'entendre que Dieu est là. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous parlions de Zacharie qui doutait de l'annonce de l'ange Gabriel. Il doutait, ne doutons pas du fait que le Seigneur est avec nous. Quatrième phrase déclarative, sois troublé. Verset 29, troublée par cette parole, elle se demandait, que signifiait une telle salutation Le point est simple, vis tes émotions. Faites attention, la parole nous dit clairement dans les proverbes que le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. La parole nous dit de garder notre cœur, de, de, de léguer la seigneurie de notre cœur à plus haut que nous, à Jésus. Mais je veux te dire que les émotions sont... Divine au sens qu'elle nous vient de Dieu. S'il est vrai que nous sommes faits à l'image de Dieu, il est donc vrai de croire que Dieu aussi a des émotions. La preuve, lorsque nous regardons aux Évangiles, lorsque nous regardons aux Écritures, nous avons pu voir que Dieu pouvait être fâché, que Dieu pouvait être jaloux. Nous avons vu Jésus renverser les tables, nous avons vu Jésus pleurer de rage lorsque le texte nous dit dans Jean 11 que Jésus pleura. Sois troublé, vis les émotions. Peut-être que tu es dans une saison où tu es troublé. Le, le terme ici vraiment fait référence à être perplexe. Le calme à l'intérieur de toi est remué. Luther dira à un moment donné qu'il pense que lorsque l'ange, la manière qu'il picture l'image, la manière qu'il s'imagine cette scène, l'ange arrive, puis peut-être que la jeune adolescente, parce qu'à l'époque c'était coutume de se fiancer vers 12, 13, 14 ans, la jeune adolescente passait peut-être le balai. Ou la jeune adolescente faisait peut-être des tâches. Au domicile, lorsqu'elle a été prise de surprise, d'assaut peut-être. Un, 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 un peintre, Rossetti, il me semble, a peinturé une belle fresque où on voit l'ange venir vers Marie et Marie sur le lit, agenouillée, la tête penchée, peut-être choquée. Et peut-être que dans cette saison de ta vie, que ce soit ta saison, marital, ta saison professionnelle, peut-être que c'est la saison tout simplement l'hiver en ce moment, la saison de Noël, peut-être que tu es troublé, peut-être que tu es perplexe, peut-être que ça va mal. De grâce, lamente-toi. Faites attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas de s'apitoyer. Il nous faut, en tant que chrétiens, apprendre à se contenter. Comme nous montre Paul dans la lettre à Philippe. Certes, il faut que nous soyons capables de vivre les étapes. Peut-être que tu vis un deuil, c'est le temps de pleurer, c'est le temps d'être en colère. Peut-être que tu vis un divorce, c'est le temps de pleurer. Peut-être que c'est autre chose. Pleure, pleure, sois troublé, sois choqué. Mais rappelle-toi le point qui suit, cinquième point, ne sois sans crainte. Cinquième point, cinquième phrase déclarative, sois sans crainte. L'ange lui dit, verset 30, sois sans crainte. Et il répète pour une deuxième fois, et en études littéraires, on nous apprend souvent à noter les répétitions. C'est la deuxième fois que l'ange va dire, une grâce t'a été accordée, sois sans crainte. isaïe 41 nous dit, sois sans crainte. Ne crée rien. Un chant même est né. Ne crée rien. Je t'aime. Promesse suprême. Sois sans crainte. Oui, vis tes émotions. Mais ensuite, sois réassuré par l'amour de Jésus, par sa grâce et sa compassion. Fais confiance. Sois réconforté. Fais confiance au réconfort de Dieu. Sois sans crainte. Une grâce t'a été faite. Dans les saisons de mort de ta vie, je veux te le rappeler ce matin, en cette saison de Noël, la grâce de Dieu surabonde là où il y a la mort. Jésus t'invite à venir à lui, toi qui as besoin de repos en cette saison de Noël. Il est la raison de la saison. Sixième phrase déclarative. Verset 31, Voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. La semaine dernière, on parlait d'anticipation, on parlait de calendrier de l'avant, on parlait de signe avant-coureur. On a hâte que le moment arrive. Pouvez-vous croire ce que Luc vient de nous faire Luc nous fait attendre 31 versets avant de nous dire la raison de la saison, avant de nous montrer le nom que nous, chrétiens modernes, nous connaissons, le nom au-dessus de tout nom. Voici, tu l'appelleras Jésus qui y échoua, celui qui sauve. 31 versets plus tard, il fait durer le suspense. Et voilà le point. Jésus est humain. Jésus est humain. Jésus est humain. C'est une expression qu'on emploie, hein? être humain de l'humanisme. Pour parler de comment on peut se comprendre. We can relate one to another. On peut se comprendre l'un et l'autre mutuellement. Jésus est humain. Il saisit ce que tu vis. Il comprend. Il est ému de compassion à ton égard. Il te poursuit sans relâche. Jésus est humain. Vous savez, dans le monde, nombreux sont, comment dirais-je, ceux qui en veulent à l'historicité de Jésus. Et je n'ai pas le temps ce matin d'aller en profondeur avec vous sur la question, mais figurez-vous qu'un homme un, du nom d'Ilel, qui était un rabbin, qui avait une école euh, d'enseignement pharasaïque, c'est pharisien, un homme qui aurait été notable, une grande influence. Figurez-vous qu'on n'a aucune trace écrite de sa venue, aucune rien d'écrit de sa main bien souvent certains prôneront la notion de tradition orale certes rien d'écrit alors qu'un de ses contemporains un peu plus jeune qui s'appelle saul de tarse a écrit plus de trente mille mots de sa main d'autres le connaissent sous le nom de l'apôtre paul et pendant longtemps, pendant 250 ans presque, on s'est amusé à essayer de discréditer, à essayer de, de changer de bord, à essayer, de, 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 de comment dirais-je, de, de discréditer finalement l'humanité de Jésus. Et voici ce qu'un spécialiste a écrit, un spécialiste académique, un érudit, il n'y a pas très longtemps, il dira ceci. Dans la recherche récente, on peut discerner une nette tendance à accorder aux évangiles le statut de source historique et donc à considérer leur récit de Jésus au-delà des convictions de foi qui s'y expriment indubitablement, comme également pertinent dans une perspective historique. Il s'agit d'un point tournant dans la recherche sur Jésus, dans la mesure où ce statut leur a été refusé pendant un certain temps, le jugement selon lequel les évangiles sont finalement infructueux pour une présentation historique de l'activité de Jésus en raison de leur caractère kérigmatique, c'est-à-dire prédicatif qui a à la prédication ou de leur présentation littéraire ne peut cependant plus convaincre. Ils sont plutôt perçus comme des récits qui s'entremêlent de diverses manières avec les événements sous-jacents de la vie et du destin de Jésus de Nazareth. Les érudits, les professionnels, les spécialistes, les académiciens de ce monde reconnaissent la venue de Jésus de Nazareth. Jésus est humain. Septième point, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, bien qu'il soit venu. Hein, il est né comme un humain, il a vécu comme un humain, il a été tenté comme un humain, il est mort comme un humain. Et les musulmans, ne re, ne, ne, certains, pas seulement les musulmans, mais d'autres, réfutent cette notion. On dit qu'il s'agirait plutôt de Judas ou d'un autre, d'un prototype de Jésus. Mais il a vécu cette vie, il est ressuscité. Hein, comme un humain, on voit des, des transactions de résurrection au courant, des récits de résurrection dans la Bible d'humains. C'est pourquoi nous avons une espérance de résurrection. Il est le représentant des humains sur Terre, c'est pourquoi nous sommes rachetés. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Nombreux sont les textes. Colossiens, Jean. Corinthiens, où on nous parle que Jésus est l'égal de Dieu, que Jésus est Dieu fait chair, que Jésus s'est dépouillé de ses richesses divines pour uh, embody, pour incarner un corps humain, une vie terrestre. Combien de fois on nous dit que tout a été fait pour, par et en Jésus, qu'il est la prémisse de la création Jésus est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il a eu le pouvoir de faire ce que lui seul pouvait faire. C'est parce qu'il est Dieu qu'il a pu rendre son esprit. C'est parce qu'il est Dieu qu'il peut aujourd'hui te sauver et t'extirper des griffes de l'enfer. Voici ce que le verset 32 nous dit à cet effet. Il sera grand et sera appelé fils du très haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Vous voyez encore la notion de David cette idée david davidique J Jésus est roi c'est notre huitième point que ton règne vienne parce qu'il va dire au verset 33 il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin comme la promesse disait à David que le règne de son descendant sera à perpétuité que ton règne vienne. Vous connaissez sûrement cette phrase, hein, cette phrase assez classique de la prière du Notre Père. Que ton règne vienne en cette saison des fêtes alors que tu contemples Jésus comme Dieu et Jésus comme ami qui sympathise. Mais réalisons, réalisons que son règne doit venir dans nos vies en cette saison. Réalisons le, pro le pouvoir et la nécessité de la prière. C'est quand la dernière fois que tu as prié. C'est la dernière fois que tu as agenouillé, que tu t'es arrêté. C'est quand la dernière fois que tu as, as, as contemplé Dieu pour ce qu'il était et ce qu'il faisait. Que ton règne vienne. Regardez ce qui. Regardez ce que les, les psaumes nous disent. Psaume 6. Je fais pour vous la lecture brièvement. Le psaume 6 va parler de la prière et en ces termes, il dira L'Éternel a entendu mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Il faut qu'on réalise l'importance de communier et d'adorer le Seigneur par la prière. Notre neuvième point Ne tais pas tes doutes. Neuvième point Ne tais pas tes doutes. Et lorsqu'on lit le verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme C'est la troisième fois ici qu'on nous parle de la virginité de Marie. Puis elle est comme un peu dans un air dubitatif et quand même, hein, je ne suis pas sûr. Et vous savez, le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Mais de douter permet qu'on puisse dire, Seigneur, augmente ma foi. De nombreuses fois, Jésus va dire aux gens de petite foi, de petite foi. Et peut-être que tu es là et t'écoutes ce matin, après que je t'ai dit que Dieu n'a pas cessé d'agir, que la promesse est parfaite, que le Seigneur est avec toi, tu peux être troublé, sois sans crainte, Jésus est un humain, Jésus est Dieu, que ton règne vienne. Ce que j'aimerais dire à toi qui m'écoute et qui ne connais pas Jésus, c'est viens à Jésus. Viens à Jésus. Fais confiance. Fais confiance au fait que... Dieu envoie un messager. Loin de moi l'idée de prétendre être un ange. <laughs> mais Dieu envoie un messager ce matin pour prêcher sa parole, parole d'espérance, de grâce et de vérité. Ne tais pas tes doutes. Un peu plus haut, le point d'avant, on parlait de l'idée de la prière. Mais même dans la prière, des fois, tu peux aller voir le Seigneur et dire Seigneur, je doute que ça. Je doute. Et Dieu a la fonction de faire ce qu'il a fait. Il a le rôle de faire ce qu'il a fait au verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Dieu répond à la prière en nous réconfortant, je l'ai dit un peu plus haut. Mais j'aimerais que tu comprennes le dixième point. L'Esprit qui vit en toi est puissant. L'Esprit qui vit en toi est puissant. Vous savez, souvent on parle de Jésus, d'autres parlent souvent de Dieu, d'autres parlent souvent de l'Esprit, mais c'est rare, je trouve, de voir une église où est-ce qu'on s'arrête et qu'on parle des trois parce que les trois ont un rôle distinct à jouer. Et ce matin, j'aimerais parler un peu avec toi de l'Esprit Saint. Le même auteur de l'Évangile de Luc va mettre pour acte, il dira une puissance, vous recevrez une puissance qui descendra sur vous. Déjà là, il dit l'Esprit le, le de Dieu, hein, il dit au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Est-ce qu'on réalise que lorsque nous sommes en Jésus, nous avons l'Esprit en nous Paul dira, par la puissance de l'Esprit qui est à l'œuvre en vous, dans Éphésiens. Les psaumes nous disent au psaume 91, que celui qui repose, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Réalisons la distinction entre Jean-Baptiste et Jésus. Alors que Jean-Baptiste était fortifié par l'Esprit, Jésus provient de l'Esprit. Réalisons que l'Esprit qui vit en nous a une fonction de nous sanctifier progressivement et de nous rendre semblables d'image en image à Dieu. Réalisons que le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Peut-être que ce matin, tu m'écoutes et c'est l'Esprit qui titille en toi pour te dire de confesser ce péché. Réalisons que l'Esprit de Dieu a la capacité de sauver les gens. Prions pour que plus viennent à la connaissance de Dieu. qui est la troisième personne de la Trinité. C'est lui qui produit le fruit en nous. C'est lui qui témoigne de qui est Jésus. C'est lui qui nous accompagne tous les jours de notre vie jusqu'à ce que Jésus revienne. L'Esprit qui vit en toi en cette saison de Noël, souviens-toi que l'Esprit qui vit en toi est puissant. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'Esprit nous fortifie. L'Esprit de Dieu est avec nous en cette saison de Noël. Je ne sais pas ce que tu vis. J'ignore ce que tu dis, tu es peut-être malade, peut-être fatigué, peut-être que tout va bien. C'est l'abondance et l'allégresse. Réalise que l'Esprit de Dieu a quelque chose à dire. Onzième phrase déclarative pour nous. On regarde au verset 36-37. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. La onzième phrase déclarative pour nous ce matin, Dieu au Père des miracles. Dieu au Père des miracles. Dieu au Père des miracles. Dieu. Ouais. Ouais, j'ai besoin que tu le crois. Lève ta main. Lève ta main avec moi. Commence à réfléchir. Le fait de lever la main, c'est une posture d'adoration. Commence à réfléchir à tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a opéré dans le dernier cinq ans, dans la dernière année, dans le dernier six mois. Commence à réfléchir. Commence à donner la gloire à Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ouais, ouais rappelle-toi d'où ce que Dieu t'a pris et tout ce qu'il a opéré. Dieu opère encore des miracles. Je ne sais pas c'est quoi le miracle que tu attends. Peut-être que Dieu ne l'opérera pas parce qu'il sait ce qu'il doit opérer. Mais faisons confiance au fait qu'il est le Dieu des miracles. Faisons confiance au fait qu'il a pris une femme dans son âge avancé qui était dans l'opprobre, qui a prié et il a répondu. Et maintenant, nous avons affaire à une jeune femme qui devait se marier, qui n'a rien demandé, qui ne semblait pas être dans un besoin apparent. mais il lui a donné encore plus que ce qu'elle pouvait espérer. Rien n'était possible à Dieu. Et voici notre dernière phrase déclarative pour cette saison. Dieu n'a pas cessé d'agir. La promesse de Dieu est parfaite. Le Seigneur est avec toi. Sois troublé. Sois sans crainte. Jésus est un humain. Jésus est Dieu. Que ton règne vienne. Ne tais pas tes doutes. L'Esprit qui vit en toi est puissant. Dieu opère encore des miracles. Et finalement, l'humilité précède la gloire. Il est intéressant de constater lorsqu'on fait le contraste entre l'histoire de Zacharie et de Marie, Zacharie était dans un endroit prestigieux, le temple, il était dévoué, c'est un pieux. il y a beaucoup d'actions, il est à Jérusalem, il y a de la belle action, il y a de la belle vie, mais Zacharie va douter et l'ange va le rendre muet. Et là, on arrive dans un coin reculé, cinq clinclin des muk muc une jeune femme de 12-13 ans qui n'est même pas encore mariée, qui est fiancée, aucun statut social. Dans... C'est comme... What a qu'est-ce qui se passe? Mais plus tard, et vous le verrez la semaine prochaine, on va recommander le modèle de sa foi. Parce qu'une des choses que Marie semble avoir compris, c'est la notion d'adoration, d'humilité que l'un doit avoir à l'égard du Dieu très haut. Lorsqu'elle réalise ça, le verset 38 dit, Marie dit, voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. Elle accueille. C'est quand la dernière fois que tu as accueilli ce que Dieu faisait? C'est quand la dernière fois que tu as compris hein, que tout allait entre ses mains, que tu devais abandonner? C'est quand la dernière fois que tu as réalisé que le Seigneur devait être le Seigneur de tout, sinon il n'était pas le Seigneur de rien du tout, quotidiennement? Nous sommes appelés à porter notre croix. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment été engagé pleinement, tu voulais aller à droite puis le Seigneur te disait, va à gauche. C'est quand la dernière fois que tu as rendu les rênes pour te rendre à gauche, là où le Seigneur t'appelait. C'est quand la dernière fois que tu as réalisé que Jésus n'était pas seulement Seigneur, mais qu'il était Sauveur et Seigneur. C'est quand la dernière fois que tu as compris le texte dans Luc 17, 10, quand il est écrit qu'à la fin, nous dirons que nous sommes des serviteurs et des servantes inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. C'est quand la dernière fois que tu as fait comme Marie dans Luc 10 et que tu étais assise aux pieds de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as relu les béatitudes et que tu as compris que les pauvres en esprit ont de plus grandes richesses que de reconnaître son humilité. C'est d'embrasser l'amour de Dieu. Hmm. Et l'ange s'éloigna d'elle. C'est tellement un texte magnifique pour cette saison de Noël qu'on puisse réaliser, qu'on puisse réaliser la grâce qui nous est faite de pouvoir célébrer le Sauveur de l'humanité, celui qui, il y a 2000 ans, a changé le monde. Laissez-moi terminer en vous lisant ce poème magnifique. Car depuis qu'une femme a attiré la mort, une vierge resplendissante l'a écrasé c'est pourquoi la plus grande bénédiction se trouve dans la forme de la femme avant toutes les autres créatures car dieu s'est fait humain dans la douce vierge bénie prions ensemble seigneur jésus merci de t'être révélé dans la simplicité tu n'as pas choisi le flafla -fla et l'artifice Merci pour ta grâce. Quelle faveur de pouvoir te servir. Que ta volonté soit faite. En cette saison de Noël, rappelle-nous ce que tu t'attends de nous, individuellement et collectivement. Seigneur, parle, tes enfants écoutent. Oui, tu es le Messie de notre vie. À toi la louange, l'adoration. La puissance, le règne, règne sans fin et la gloire au siècle et des siècles. Amen. C'était la parole du Seigneur pour nous. Cette semaine, soyez bénis. Que Dieu vous garde et qu'il fasse briller sa face sur vous. Bonne semaine. J'espère sincèrement que ce message a pu faire son chemin jusqu'à ton cœur. Euh, si tu aimerais en savoir plus sur Jésus ou sur notre Église, n'hésite pas à nous écrire à info à et un membre de notre équipe te contactera euh, dès que possible. Cette invitation est valable également pour toi qui vis des défis, des souffrances ou bien tu une requête de prière quelconque. N'hésite pas s'il te plaît, écris-nous, on va prendre du temps avec toi. Enfin, on tient à vous remercier vraiment. Merci euh, pour votre soutien euh, dans la prière, euh, votre soutien à la mission de Jésus-Christ, c'est ainsi que nous contribuons à la proclamation du message de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus et d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, vous désirez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don au pluriel à église Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer un bon temps des fêtes.